Je voudrais, avant tout propos, vous témoigner ma grande satisfaction et vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue à Kaya, la belle cité des cuirs et peaux. Bienvenue chez vous. Avant tout propos, permettez-moi de vous demander d'observer ensemble une minute de silence en mémoire de toutes les victimes du terrorisme dans notre pays. Ces derniers vont être désormais nos ambassadeurs pour convaincre tous les Wakandais que Kaya est fréquentable. Et je voudrais donc, avec l'autorisation de l'assistance, qu'ils puissent dire qu'il y a encore des pieds flambés et de la bière bien glacée à Kaya. Qu'on peut les prendre au bord de la rue. C'est aussi l'occasion de dire, comme nous le savons tous, la guerre que nous menons n'est pas que militaire. Le message qu'ils pourraient envoyer devrait être des messages constructifs, des messages qui apaisent le cœur, des messages qui rassemblent tous les citoyens. Et ainsi, nous pourrons avoir un environnement social qui est favorable à la paix. Donc, les journalistes sont des acteurs de premier rang dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est vrai, ils n'ont pas de Kalachnikov. D'autres acteurs ont comme outil de prédilection la Kalachnikov ou le fusil. Mais lorsqu'on touche le cœur des hommes, on peut toucher leur comportement. Et en ce sens, le journaliste est par excellence l'acteur qui est à même de modifier les états d'âme et les ressentis des citoyens individuellement et par conséquent collectivement. Le contexte que vous avez assuré est assez difficile. Et normalement, chacun doit jouer un rôle justement pour aider nos FDS, nos autorités à pouvoir justement réconcilier le territoire. Et dans ce sens, on sait que les journalistes, les pouvoirs ont un grand rôle à jouer. Comme on dit, la guerre n'est pas que militaire, elle est aussi communicationnelle. Maintenant, c'est de pouvoir échanger avec les hommes de l'État, pouvoir. Tout en tenant bien sûr compte de leur liberté d'expression et du professionnalisme, comment également ils peuvent contribuer de leur manière à apaiser la situation pour qu'il y ait un vivre ensemble beaucoup plus intéressant dans notre pays. Les attentes, c'est trop dit parce qu'en réalité, c'est un échange. Donc, on va échanger parce que les professionnels aussi.